Yé pas tout le monde, bienvenue dans la catégorie entreprendre. C'est quoi être un travailleur indépendant? Et quels seraient les avantages d'être un travailleur indépendant? Donc pour cet exemple, j'ai voulu reparler des frais réels déductibles. Donc je vous invite à aller voir mon cast notamment sur l'entreprise, l'entrepreneur individuel au régime réel, notamment normal ou simplifié, pour avoir plus de détails. Mais alors voilà, je vais vous faire une petite présentation brève. Donc en fonction de nos aspirations, de nos objectifs, c'est-à-dire pourquoi devenir un travailleur indépendant et quels pourraient être les avantages de déduire nos frais réels. Ben, il y a plusieurs cas de figure. Si vous êtes quelqu'un qui est présenté quelques difficultés financières, mais que voilà, vous vous accrochez, que vous envisagez de devenir travailleur indépendant, oui, il y a des choses qui peuvent vous faciliter la vie. Donc, notamment en déduisant par exemple les frais réels. Et c'est ce qui peut vous permettre en fait de compenser un peu le fait soit qu'une activité elle ait du mal à dégager des bénéfices, ou plutôt le fait de considérer que votre activité elle va mettre du temps à démarrer et donc de ce fait il faudra du temps pour dégager des bénéfices. Donc ça peut rendre votre situation financière un peu plus délicate. Donc en fait pour moi les frais réels déductibles ça pourrait être quelque chose à considérer comme un levier en fait de pérennité et de survie, voilà, d'amélioration du quotidien, je vais dire. Voilà, améliorer ses conditions de vie. Alors, moi, je ne suis pas une experte en la matière. Au même titre que vous, je suis une particulière qui cherche à essayer de comprendre. Voilà, dans quel cadre réglementaire opérer et comment éviter voilà, tout risque de redressement fiscal. Donc voilà, la fiscalité est vraiment quelque chose de très 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 compliqué, surtout pour un particulier. Et essayer d'aller tout seul dans cet univers est parfois un petit peu délicat. Donc si vous avez des retours d'expérience à faire à la communauté, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à nous donner des informations sur comment vous procédez et qu'est-ce qu'il convient de faire. Alors néanmoins, même si je suis pas une experte, j'essaie de comprendre. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que la déduction des frais réels, elle va s'appliquer pour les personnes physiques qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, notamment. Alors, pour ce sujet, on va essayer de comprendre, dans une première partie, comprendre ce qu'est un travailleur indépendant, puis dans une deuxième partie, on traitera de quels pourraient être les frais réels qui seraient déductibles autour de toutes ces activités. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un travailleur indépendant? Alors là, dans d'autres castes que vous pouvez aller consulter également, je vous ai déjà présenté le fait qu'il existe deux catégories de travailleurs indépendants. Dans la première catégorie, on va retrouver les professions libérales, donc pour certaines réglementées, ça va être les avocats, les médecins, les huissiers, les architectes, etc. Puis à côté, on va avoir des professions non réglementées. Ça peut être l'exemple du consultant. Alors, ces professions libérales, en fait, vont être imposées dans la catégorie des BNC, c'est-à-dire des bénéfices non commerciaux. Les autres professions autres que libérales, telles que commerçants, artisans, industriels ou autres, eux vont être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'on appelle les BIC. Alors maintenant, si on s'intéresse un peu plus à quels pourraient être les frais déductibles. Alors en fait, dans les frais déductibles, il convient bien, je l'avais déjà dit dans une précédente formation, enfin un précédent cast, je dirais. En fait, il faut bien distinguer, il semblerait, tout ce qui est charge des immobilisations. En fait, tout ce qui concerne les charges et les dépenses liées à votre activité pourront être déduites. Alors là, je vous appelle à la vigilance parce qu'en fonction de chaque dépense ou charge que vous souhaitez déduire, il y a souvent un cadre réglementaire autour de tout ça. Voilà, que ce soit les frais liés à la déduction des loyers ou à l'utilisation d'une habitation personnelle au titre professionnel. La surface des locaux aussi, vous ne pourrez pas déduire toute la surface des locaux si vous êtes propriétaire, ben vous ne pouvez pas déduire un loyer fictif. Pareil pour les repas, il y a des paniers moyens à ne pas dépasser. Vous pourrez potentiellement déduire la création de sites internet également, voire même si vous avez besoin pour votre activité d'un avocat, potentiellement la déduction des honoraires d'avocat. Donc les frais de bureau, les frais postaux, etc., tous les frais administratifs. Vous pourrez éventuellement déduire aussi les frais de transport, véhicules, avions, peut-être pour vos déplacements professionnels. Voilà. Donc pour les frais de transport, je constate qu'il y a
d'année en année un barème kilométrique auquel il faut se référer. Donc attention, annuellement ça change. Vous pourrez même apparemment déduire des frais au regard de votre conjoint salarié, et notamment ses cotisations sociales en fonction de votre statut matrimonial et autres. Vous pourrez éventuellement déduire du frais matériel nécessaire à votre activité. Donc là, il y a une notion de plafond, j'en suis pas très sûre, mais je vois des plafonds qui oscillent entre 500 et 600 euros. Donc c'est très très bas quand on sait qu'un ordinateur coûte à peu près 2000 euros, au moins l'ordinateur professionnel. Ça peut aller jusqu'à 3000 euros en fonction de l'équipement. Donc ça va aller très vite. Si vous avez besoin pour exercer d'un téléphone, d'un forfait téléphonique et autres, d'une connexion à Internet, etc., etc. Donc les frais liés au matériel, notamment informatique, peuvent monter très très vite. Donc au regard de tout ça aussi, il faut distinguer charge et immobilisation. Dans le cas de matériel et notamment informatique, en fait le matériel informatique et le PC sera plutôt à mettre en place dans le cadre de vos immobilisations. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en place en fait une gestion par amortissement linéaire qui sera à considérer. Donc, la gestion des frais réels, distinguer les charges, les amortissements, ben, ça nécessite peut-être une gestion un petit peu fastidieuse. À mon sens, il faut être capable de maîtriser en fait qu'est-ce qu'on appelle recettes, dépenses, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, garder la traçabilité des factures des 10 ans. Il me semble que ça a conservé 10 ans. Comment est-ce que je communique à l'administration? Il semblerait qu'en fait vous puissiez tout simplement attacher une note à vos déclarations. Donc vous pouvez peut-être potentiellement effectuer par vous-même en fait la traçabilité, on va dire, de ce qui rentre et ce qui sort, les amortissements. Donc si je devais conclure sur ce sujet, moi je dirais que bon, pour un particulier, je vois un risque majeur, enfin me concernant. Pour moi, mon risque majeur, ce serait que de déduire des frais réels qui n'en soient pas. Et d'encourir le risque majeur en fait de subir un redressement fiscal, voilà. Parce que on pourrait considérer que vous exagériez vos dépenses, alors que potentiellement c'est juste que vous ignorez le cadre réglementaire. Donc moi je vous dis, faites très très attention. Voilà, essayez de procéder un petit peu comme je peux le faire en fait. Posez-vous les bonnes questions. Cela demande à mon sens une gestion fastidieuse qui peut être peut-être un peu lourde à réaliser personnellement dans le cas de figure où vous devez considérer à mon sens des amortissements. Donc voilà, point d'interrogation. Mais moi je dirais qu'il convient quand même de bien choisir sa formule. Je clôturerai quand même le sujet en parlant du statut de micro-entreprise. Pourquoi? Parce que le risque majeur, c'est de se faire redresser, c'est de déduire des frais réels qui n'en sont pas. Moi je dirais qu'à tout ça, il y a une solution et un package global fourni par l'administration fiscale pour potentiellement nous faciliter les choses. C'est la possibilité de mettre en place l'abattement forfaitaire directement sur le chiffre d'affaires. Donc dans ce cas de figure, vous pourrez bénéficier de 71% d'abattement pour les activités d'achat-revente dans le cadre de la micro-entreprise, puis 50% pour les activités de produits et de services ou autres activités relevant de la catégorie des BIC. Puis vous pourrez déduire potentiellement 34% pour les bénéfices non commerciaux. Voilà, les BNC, la catégorie des BNC. Donc en fait, il convient d'analyser votre situation, votre désir d'opérer, quels seront vos besoins pour exercer, etc., etc. Donc votre décision, elle est purement personnelle. Quels frais réels déduire et surtout quel statut et régime d'imposition choisir? Est-ce que vous allez plutôt choisir le régime d'imposition de la micro? Ça va concerner... Enfin, la micro ou le réel simplifié ou le réel normal. Dans le cadre de la micro, ben vous aurez des barèmes à ne pas dépasser. Par exemple, votre CA, il devrait être inférieur ou égal, on va dire. Moi, je suis approximatif parce que je vous demande d'aller voir par et vérifier par vous-même. Mais voilà, micro, vous ne devrez pas dépasser des CA. Enfin, ça doit être en dessous de 83 kilos euros hors taxes pour tout ce qui est activité achat-revente. Si vous êtes dans la prestation de service et dans les ou titulaires du BNC, en fait, là, vous ne devrez pas dépasser un CA de, on va dire, 33 KE hors taxes. À côté de ça, si vous basculez dans le régime réel simplifié, ben, vous pourrez avoir des CA bien supérieurs, je vais presque dire multipliés quasi par 10, enfin, ou moins de 10. Et pour le réel normal, voilà, vous pourrez exploser les chiffres d'affaires, c'est tout ce que je vous souhaite, mais là, voilà, vous aurez des CA potentiellement
supérieure, on va dire, à quasi 800 000 euros pour une activité de production et de vente, et une entreprise de service, lui, aura un CA supérieur à quasi 240 kilo euros hors taxes. Donc voilà, donc en fait, votre statut et la manière dont vous allez déduire vos frais réels, bah, tout simplement, ça va être fonction de votre ambition, quel va être votre business model et de votre situation personnelle également. Est-ce que vous préférez être soumis à l'IR ou à l'IS? Allez, voilà, je vous abandonne. Donc, je ne suis pas forcément très contente de ma présentation et satisfaite de moi-même. Je sens que je maîtrise toujours pas ce sujet et c'est pas faute d'essayer. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'information si vous en avez ou vos retours d'expérience en la matière. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa!